Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va préparer une petite douceur. Le délicieux gâteau individuel à la pomme. Il va nous falloir de l'huile végétale, jus de citron, fleur d'oranger, sucre en poudre, du lait, de la semoule fine, un œuf, sucre vanille, levure chimique et une pomme. Donc je commence. Dans le pot du mixeur, je mets l'œuf. cl d'huile végétale, 2 grandes cuillères à soupe du jus de citron, 2 grandes cuillères à soupe du concentré de fleur d'oranger, 80 g de sucre en poudre, 25 cl de lait, le sucre vanille, la levure chimique et on va mixer le tout. Ensuite, on va rajouter 150 à 200 g de semoule fine et on remixe encore une fois. Pour la phase suivante, on va couper la pomme en rondelles. Et puis, à l'aide d'un bouchon, je retire le centre. Une fois fini, je vais huiler mes moules. On va mettre une rondelle de pomme dans chaque moule. Ensuite, on va rajouter la préparation. Pour la cuisson, 45 à 60 minutes à 185 degrés. Notre gâteau vient de sortir du four. Ça sent très très bon. Cette odeur de pomme qui vient de sortir du four et de la fleur d'oranger, c'est juste un régal. C'est croustillant sur les côtés, tendre au milieu. C'est vraiment tout ce qu'on aime. On peut le décorer aussi avec du sucre glace si on veut. Mes chers amis, cette recette est un vrai délice. À très très bientôt.